Mickaël à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Allez, le moment préféré des auditeurs maintenant. Mickaël à la radio. Pour un monde sans relou. Mais oui, le monde sans relou, on l'espère chaque matin. Et chaque matin, ce n'est qu'un rêve. Oui, car chaque matin on se réveille et il y a encore des relous et dans le monde. Et il y en a et il y en aura encore d'ailleurs. Chaque matin on écoute les meilleurs messages laissés sur la ligne anti-relou, c'est-à-dire le 0473 86 00 13. Bon, on va écouter le premier invité de ce matin, c'est parti. Bonne nouvelle, c'est comme ça qu'on en dit en général. C'est bon, pour les messageries c'est pas les gars non plus. Mais j'espère avoir de bonnes nouvelles parce que c'est un petit peu du n'importe quoi. Allez, au revoir, Yann. Le mec n'a pas envie de le rappeler quoi. D'accord. Bonne nouvelle, hein. C'est comme ça qu'on dit en général. Bon, et puis les messages sur la poteur, c'est un peu n'importe quoi, hein. Ah non, mais moi je sais plus quoi dire. Ah bah le mec, mais non, mais même si t'es le vrai répondeur de la fille, tu veux dire, bah, mec, il est déjà relou maintenant. Ah non, mais de toute façon, à chaque fois, les gars, ils pensent que c'est les vrais répondeurs, donc à chaque fois, ça me fait très très peur. Ah quoi. Oui, non, mais voilà. Comment mais... on peut croire qu'une fille va rappeler avec un message comme ça? Alors c'est que pas si on a un ton un peu pervers, Julie, elle rappelle tout de suite, c'est ça le truc. Comme ça, vous savez maintenant. Allez, deuxième message. Quoi? C'est pas vrai? Julie, elle a bon dos, Julie. Ah non, moi, c'est ce que j'ai vu comme info qui traînait sur Facebook. Apparemment, oui, tu rappelais les pervers. Oui, bah évidemment, ah, bien sûr. Écoute, je sais pas, moi, comme quoi, hein, sur Facebook. Hein. Ah oui, comme quoi sur Facebook, oui. C'est ça. Hein. D'accord. Allez, deuxième message. Ouais, ça prive là, et tu es nouvelle! Tu es nouvelle! Je t'attends comme un petit gars, là, ça fait. On avait dit rendez-vous devant le restaurant, mais qu'est-ce qui se passe? Je suis pas assez bien pour toi, c'est ça, mon avis. Aïe, aïe, j'attends tes nouvelles à ma cousinette d'amour. Non, attends. Ah non, mais le gars il a pris des trucs là. Ouais, c'est ça, le mec était sous effet. Il est surexcité. Ouais, il a pris un peu de speed à mon avis, je pense. Hein. Ou alors, comme Top, ça fait 10 ans qu'il a pas touché une fille. Quoi. Ah, ça, c'est possible également. Il en peut plus. C'est pas ça, vrai, c'est tout chouette matin. Ah non, non, ça m'étonnerait. Bon, il aimerait bien peut-être. Hein, ça, oui, c'est ça, un problème. Oui, dans ses rêves en fait. Donc, il rêve ça la nuit. Mais et donc le matin, bien. Il pense que ça s'est vraiment passé. Mais non. Avoir des rêves, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal dans l'absolu. Allez, troisième message maintenant. Écoutez, c'est le dernier message de Alien Tirolou de ce matin. Allô. Ça marche pas. Ah non, ça c'est sûr. Non, mais ce qui est bien, c'est qu'il dit ça marche pas. Oui, bah enfin, c'est pas la peine de le dire, raccroche à la limite et retente derrière. Hein. Donc c'était notre petit... On a un quota maintenant, le CSA nous impose un... Donc il y a les quotas de chansons françaises et puis après, il y a le quota mongol. Voilà, donc, dans le répondeur, voilà, on a trois messages en répondeur et on est obligé, c'est une obligation, c'est légal, hein, de mettre un mongolien dans le tas en fait. On n'a pas le choix, c'est comme ça. C'est pas qu'on veut, hein, c'est qu'on n'a pas le choix. Non, mais on est forcé. On n'a pas le choix. Bon, surtout qu'il y a beaucoup de relous qui sont un peu gogol. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça marche dans les quotas aussi, ça. Hein.